pour aider les résidus de culture, c'est la buteuse. Donc la buteuse à planches, elle est faite sur un modèle classique de buteuse asperge. Vous avez trois barres avec chacun une paire de disques qui vont donc faire le centre, le milieu et les bords de la planche. En versant la paire, en la retournant moins qu'un fer de charrue. Et le travail du milieu est fait par un butoir, c'est-à-dire que la terre du milieu, elle est poussée à l'extérieur et peu après ramenée par les deux disques. Le réglage de profondeur, il se fait avec les roues de jauge qui sont derrière, que vous réglez grosso modo à peu de choses près une fois pour toutes. Et vous avez toujours le système où on profite de chaque passage d'outil pour faire un travail dans l'allée, avec donc là un cœur de 30 cm, c'est le format de mon allée. Monter sur des dents ressorts d'un format un petit peu plus petit que ceux du cultibut, parce que comme on reste en surface, la même fois on n'a pas besoin d'un matériel plus solide, donc ça fait une économie de mettre une dent qui est dimensionnée un petit peu plus petite. Alors, donc ça pareil, c'est la buteuse qui est proposée en autoconstruction par un atelier autoconstruction, donc dans un stage de 5 jours. Moi, dans mon itinéraire, j'ai avant utilisé une buteuse à asperges. C'est la même chose au niveau du principe. Hein, il y a trois paires de disques. Sauf que comme c'est du matériel à asperges, c'est fait pour être utilisé dans des terrains très sableux, très légers. Et les diamètres de disques sont un petit peu plus petits et la ferraille est dimensionnée beaucoup plus petite. Donc, je l'ai tordue plusieurs fois, j'ai redressé, j'ai cassé des trucs, j'ai réparé. Mais bon, l'outil était dimensionné trop petit pour pouvoir fonctionner avec.